alors, bah, voilà. Voilà, ma fille. Que tu fais là, ma douce? Que tu fais là, moi, te fais ma neuf? Voilà. Ça y est, c'est fini. Et en manne. T'essayes d'abord sans la perche? Ouais, toujours pour voir si elle est sociable. Elle est pas peureuse, mais je me méfie qu'elle me mette un coup de croc quand même, quoi. Allez, viens, ma belle. Viens, ma belle. C'est fini. Aïe. Mais caillez-vous? Allez, pas méchant. Viens, ma douce. Bon, alors, ma fille. Allez. Ouais, elle, c'est la mère. Bon, alors, ma douce, c'est fini. Mais bon, elle est dans un sale état. Elle n'est pas entretenue, et puis voilà, quoi, c'est une chaîne de portée, ça. Allez, viens, ma belle. Viens. C'est bon? Allez, viens. Viens, ma fille. Tu la vois? On voit dans quelles conditions vivait le chien, hein. On voit bien les excréments, on voit bien tout ça. Là, on est vraiment dans des conditions d'insalubrité. C'est vraiment l'animal objet, comme on le dit. On vit vraiment dans un drôle de monde. Vas-y, regarde, un peu peur. Viens, ma fille, viens. Viens, ma nénette, on y va. Oui, ça y est, c'est fini. Je vais faire les cantines. Alors, ça y est, viens, papa. Viens. Viens, ma nénette. Là, pas besoin de la perche, là l'animal est très craintif, ça se voit. C'est pas du coup pourquoi il est comme ça, il a justement été battu, il est complètement terrorisé, et le rapport qu'il a avec l'humain, c'est impensable. Le que je peux appeler? Bah appelez-le, oui, puis du coup il y en a combien de chiots alors dans le domicile? Je vous dis monsieur, monsieur, un seul, pas un terrorisme. Ah mais je vous pose la question. Ça reste comme des chiens très demandés, quoi. Ça se vend en dessous main, 900 balles, 900 euros le chiot, quoi. L'animal a rien à manger, à boire de l'eau croupie. T'as vu ça? Petit martinet? C'est un martinet, ça? Ouais. Non. Il y avait un chien et des excréments. Il n'y en a plus. Tu viens de dire de le retourner, il y a des os. Ils sont moins 5-6 hein, quand même ici. Hein. On va aller pour l'entrée. Ça va. Monsieur, c'est la police. Monsieur. Bonjour monsieur. Il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucune personne ici dans l'immeuble. Tu vois que le chien il a agressé ou il a aboyé dessus. Jamais de la vie. Mes chiens, ils sont bien éduqués, bien nourris, bien traités. Donne-moi ça, s'il vous plaît. Ouais. Ils sont mes chiens. Est-ce que je peux voir mes chiens là? Non, là, vous ne pourrez pas voir vos chiens. Pourquoi? Parce que pour l'instant, les chiens sont bloqués. Mais pourquoi bloqués? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi bloqués. Mais parce que par rapport aux conditions de vie des animaux. Conditions de vie de quoi? Putain, arrête-le. Par rapport aux déclarations. Là, c'est comme si vous prenez mes enfants, quoi. Bah, peut-être, mais pour l'instant, il faut qu'on vérifie. Mais vous allez vérifier quoi là-dedans? Pourquoi les chiens ne sont pas à votre nom? Pourquoi les chiens ne sont pas déclarés en mairie? Tout ça, c'est des infractions, vous savez pas bien. Non, vous n'avez pas été dans la chambre. Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est regarde. Là, il est sacrément atteint. Ouais. Pour le montrer? Non, parce qu'il est super. Il fait bouche. Il a fait un coup de pompe. Il a fait un coup de pompe. Ah ouais, la mâchoire de travers, c'est pas. Elle est carrément décalée. C'est pas une naissance, ça. Oui, non. T'as fait mal. Oh là là là. Moi, je mets dans le véhicule, c'est pour faire notre propriétaire. Faut y retirer cet animal, ouais, faut y retirer carrément. Donc là, c'est veto. Oh, c'est veto, là, faut y retirer, mais même, faut y retirer. Moi, je laisse pas cet animal. Mettre à l'avant avec moi, ça ira bien. Ça sera au chaud. Allez, je te l'ai pour peur. Non, ils ont peur. Ils ont peur. Parce que c'est un enfant, mais ils ont peur. C'est très peureux, hein, c'est un faux pas croire. Allez. Salut.